dois retourner travailler. Je l'ai vérifié, t'inquiète pas. Scénario. Un agent est amoureux d'une fille. Et cet agent est en mission. Et la fille se fait kidnapper. Les autres gars veulent connaître les sources de cet agent. Qu'est-ce qu'il fait alors? Qu'est-ce qu'ils font à la fille, Il y a une morale dans tout ça? Oui. Derrière ton épaule droite. Nous... Mais pourquoi je saurais? Est-ce que ça importe? Si tu te sens trop seul, il y a une solution. Achète un chien. Canal 4. Ah, Seigneur. Mason, donne-moi un coup de main avec ce micro. La reine du bal veut que je lui ajuste sa petite fleur? Ouais. Assieds-toi là-dessus et tourne. Amusant. Hanley. Ok. On a confirmation. Il y a effectivement une menace réelle. On a 20 minutes. T'es prêt? Mason, t'es prêt? Ouais. Je suis prêt. Ça marche? Un, deux. Bonne chasse. Bien reçu. Bonjour. Monsieur l'ambassadeur, je vais devoir prendre vos vêtements. Nous avons de très bonnes raisons de penser que votre vie est menacée. La cible est un homme, caucasien. 35 à 40 ans. Tu veux parier ta vie là-dessus? Non. Je parie sur toi. Ça y est, Peter. Je suis dans l'immeuble jaune au volet vert, à gauche de la tour de l'horloge. Combien de possibilités? Trop. J'aime pas ça. Annule l'opération, on ne couvre pas tout. Hors de question d'annuler cette mission. Un gilet pare-balle vaut pas grand-chose contre une balle dans la tête. Les migraines cesseront, en tout cas. Costume bleu, à 2 heures. Je le vois. Il s'approche. Surtout, ne tire pas, ne tire pas. Regarde ta ligne de mire, ne tire pas. Non, il se dirige vers toi. Ne tire pas, non! Devereaux? Et qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, hein? Écoutez les ordres! Il y a un homme assis dehors, près de l'eau. Il dit qu'il vous connaît.
Bonjour, Peter. C'est ça? Pas de salut, Henley. Je suis content de te voir. Ça fait longtemps. T'es toujours à Berlin? Berlin? Seigneur, non. L'action a bougé, mon ami. Maintenant, la ligne de front, c'est Belgrade. Toi, t'as l'air en forme, hein? Du moins, mieux que lui. Karguin. Il a pris du poids à sa retraite. Pas elle, en tout cas. Ah, si. Oh, Craig. Il connaissait les risques. On les connaissait tous. On sait qui les a tués. Alexa Dimoistria, tueuse à gages venue de Moscou. Elle tue des personnes qui ne devraient pas mourir. L'agence croit que c'est Arkady Fedorov qui tue tout le monde. Ou encore qui s'arrange pour effacer toute trace de son passé. C'est lui qui sera le prochain président russe. En quoi tout ceci me concerne ? Bien fier d'elle, Peter. Après ton départ, elle est devenue très proche de Fedorov. Maintenant, elle voudrait entrer au pays. Elle sait quelque chose sur lui. Quelque chose qui l'effraie elle-même. Quoi ? Un nom qui a le pouvoir de tout changer. Et si elle a raison, ça prendra combien de temps avant qu'elle aille rejoindre ces gens-là, hein ? Tu y vas, tu la fais sortir. De Moscou à Saint-Pétersbourg et de l'autre côté de la frontière à Helsinki. Je te rencontrerai là. Elle a demandé à ce que ce soit toi. Personne d'autre. Elle refuse de vous donner l'information avant d'être sortie de là. Elle a toujours eu beaucoup de caractère. Интервью с газетой «Московская правда». Репортер ждет вас. Пусть подождет. Пошли. Le drone est en position. Exil est maintenant en attente. En observation. Уважаемые коллеги, лидеры, я пришел сюда, чтобы рассказать вам об ином мире. Мы больше не можем разделять людей и страны. Чтобы разрешить глобальные проблемы, мы должны прошедших столетий. Это история войн, которые приводили к взаимному уничтожению, причиной которых стали конфликты социальных и политических интересов, идей и религий, которые до сих пор не прекратились. Однако, наши стремления сейчас должны быть направлены как на собственный народ, так и на международные отношения. Россия завтрашнего дня не будет России нашего прошлого. Это иной мир! Браво! Браво!
искали? Что бы вы без меня? Vous avez une connexion au drone? Bien entendu. Rendez-vous avec l'unité d'extraction dans 4 minutes. Contact visuel sur l'objectif. Il se dirige vers le nord sur Tverskaya. Message reçu de l'objectif. On est à 5 minutes d'Exville. Langley est en ligne. Quelle heure est-il chez toi, Perry? T'as pas besoin d'être sur ce coup-là. Si elle détient quelque chose de vrai sur Federoff, il y aura beaucoup de gens intéressés. Le sujet est tout près de la zone d'extraction. Problème, monsieur. Qui donc? On dirait le FSB. Les Russes l'ont repéré. Qui est cette voiture? On sait juste qu'elle n'est pas à nous. Comment va Lucy? Tu lui manques. Elle me manque aussi. Vous me manquez. On est sur une rue parallèle, on suit le véhicule. On se prépare à faire l'interception. Sur le boulevard Tverskaya. Poste de contrôle de Belgrade, envoyé 42, Mason à le ballon. Non! Perry, arrête ça! Poste de contrôle de Belgrade, envoyé 42, Mason à le ballon. Hop 1. J'écoute. 42. Confirmé? 42, confirmé. C'est le nom, il me le faut. Tout de suite, allez, j'ai besoin du nom. Mira Filipova. Oui. Mira Filipova. Mira Filipova.
Peter, t'es démasqué. De compléter. Oh, c'est... Peter. Elle était avec nous, Weinstein. C'était fini quand les Russes l'ont repéré. On lui a fait une faveur. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Hop 1, ici contrôle, répondez. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop 2, répondez. Le gouvernement n'a émis aucun commentaire. C'était Devereau! C'était ce salaud de merde de Devereau! Qu'est-ce qu'il fait ici? Vous devez continuer à le suivre. Qui est Devereau? Peter Devereau, il était avec nous. Actif de 77 à 2008. Il travaillait avec Hanley. Je saute dans le premier avion. Faites venir Mason. Vas-y. Aéroport. Mira Filipova.
Oh, Smokey. Ce serait pas à vous, ça? Oh, viens ici, grosse coquine. Oh, je m'excuse. Elle passe tellement de temps chez moi qu'elle devrait payer sa part. Elle vous aime plus que moi. Est-ce que vous voudriez venir prendre un bon café? Je viens d'en faire un peu. C'est comme à la maison. Désolé, le travail. Allô? Bonjour, je cherche Alice Fournier. Alice! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, je m'appelle Edgar Simpson, je suis journaliste d'enquête, je travaille pour le New York Times. J'aimerais que vous me parliez de cet homme. Arkady Fedorov, c'est un politicien russe. Je cherche des renseignements sur lui. Bonjour. Madame. J'ai une réservation. Niet. Pourquoi vous n'avez pas tiré? Là? Pourquoi dans? Monsieur Mason, pourquoi vous n'avez pas tiré? Il n'y avait aucune menace. Cet homme venait d'assassiner votre escouade au complet et pointait une arme sur vous et vous dites qu'il n'y avait aucune menace. Devereaux était dérouté. Il était loin de penser qu'il me trouverait sur son chemin. Il a fait exactement ce que j'aurais fait. On a tenté de le tuer, mais... il nous a tués. Vous avez saisi tout ça en 2 secondes. Oui, monsieur. La question demeure, pourquoi vous n'avez pas tiré? Et pourquoi lui n'a pas tiré? Vous croyez connaître Devereaux? Laissez-moi le retrouver. Si j'arrive à lui parler, peut-être que je pourrai empêcher que ça dégénère. Vous ne le connaissez pas, du tout. Je sais comment il vous a entraîné. Aucun lien. Il y a des choses dans ce monde qui importaient à Peter Devereaux. Des gens qu'il a laissé l'approcher, des personnes qu'il aimait, peut-être. Et on vient d'en tuer une très importante pour lui. Et maintenant, c'est à nous qu'il va s'en prendre. Avec tout ce qu'il a. Il est fait comme ça. Il a tué 3 de nos hommes, Mason. Alors l'ordre est d'abattre Devereaux. Avez-vous un problème avec cet ordre? Je fais ce qu'on m'ordonne de faire, monsieur. Qu'est-ce qui est dur, ça va? Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on est venu chercher. La dernière recherche que Hanley a faite. Je vais voir ce que je peux trouver d'autre. C'est le désordre total. Un vrai fouillis. Thank you.
Salut, alors ça va? Je t'ai trouvé des trucs intéressants. Regarde ça, Mira. Elle arrive de Belgrade peu avant 2000. Réfugiée des Nations Unies. Elle est passée grâce à ces deux hommes, puis prise en charge par une travailleuse sociale. Cette femme, Alice Fournier. Deux ou trois autres filles étaient amies. Non, prostituées, toxicomanes. La dernière trace de Tamira remonte à 10 ans. Alors, si elle était du genre de ses amies, elle est sûrement morte dans ce cas. Je veux elle. Et voilà. Elle a rendez-vous ce midi, au restaurant Divelanor. T'es bienvenue. Correspondance biométrique à l'arrivée de l'aéroport de Belgrade. Il y a 4 heures. Voilà. Il regarde droit vers la caméra. Ouais. C'est l'équipe qui est chez Hanley. Ils ont trouvé quelque chose. Les nettoyeurs chez Hanley, ils ont peut-être frappé dans le mille. Autorisation et code d'accès positif. Je vous écoute? Oui, c'est Jürgen. J'ai besoin d'une information de localisation d'un sujet. Fournier, Alice. Son numéro de téléphone est le 753-654-23. Localisez ce téléphone cellulaire. Fournier, Alice, 753-654-23. Position actuelle 32 Skadarska. Je crois que c'est un restaurant. Merci. Combien sont-ils chez Hanley? Deux. Alors appelez l'autre. Pas de réponse. C'est Devereaux. Je ne resterai pas longtemps. Merci. Vous voulez prendre quelque chose? De l'eau, ça ira. Merci. Alors, et si on parlait d'Arkady Fedorov? C'est un nom que j'entends souvent dans le milieu où je travaille. Mais c'est de l'histoire ancienne. Les atrocités, c'est comme la télé-réalité, vous savez. Il y a toujours une nouvelle émission pour nous faire oublier. Je suis d'accord. Néanmoins, Fedorov deviendra bientôt président de la Russie, ce qui fait maintenant de lui un homme d'intérêt aux yeux du monde entier et de ma publication. Lorsque Fedorov n'était qu'un général, je dirais qu'il était parfaitement intouchable, mais là, c'est différent, car il est vulnérable. Quoi? Ça ne le rendra pas plus dangereux. Ces gars-là sont toujours là à parler haut et fort, mais ils sont en réalité que de simples hommes qui adorent le son de leur propre voix. Vous voulez votre histoire et le prix Pulitzer? Vous n'avez pas idée de ce qu'elles sont quand elles viennent nous voir. Plusieurs sont de très jeunes filles. Effrayées, d'accord? Avez-vous songé à ce que votre histoire peut faire à ces personnes? Fedorov est coupable de crimes, vous le savez. Il faut qu'il soit dénoncé. Écoutez, si les filles de votre centre sont disposées à venir me raconter leur histoire... J'épaule les victimes. Je m'en sers pas pour la politique. Ces filles ont assez souffert. Votre but est peut-être très digne, mais personne ne pourra arrêter Fedorov.
vous avez accepté de me rencontrer, il doit bien y avoir une façon pour que vous m'aidiez. Excusez-moi. Êtes-vous Alice Fournier? Oui? Il y a un téléphone pour vous, dans le bureau. Ils disent que votre cellulaire ne fonctionne pas. Suivez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oh. Oui, allô? Arrêtez, n'avancez plus d'un pas. Écoutez-moi, c'est très important. La femme avec qui vous êtes est une tueuse. Si elle panique, vous êtes morte. Regardez de l'autre côté. Retournez-vous. Je suis juste derrière vous. Courez ! Vite ! Courez ! Alice ! Par l'arrière ! Je veux les avoir à l'œil ! Je veux un repérage visuel tout de suite. Mason. J'arrive pas à croire que t'as encore le même numéro. Alors ça va? Disons que je suis occupé, alors si je te rappelais dans quelques minutes. Allez, le scanner! Non, discutons un peu, d'accord? Tu peux continuer à faire ce que tu fais, ça ne me dérange pas. Scénario, une cible accompagnée de sa complice ont 30 secondes d'avance sur moi, dans un lieu achalandé. Mm-hmm. Parle-moi un peu de ta cible. Un homme, vieux. Jadis doué. Jadis? Il doit encore croire qu'il l'est. Oui, mais il est arrogant. Certain qu'il va s'en sortir. Il vient déjà de faire sa première erreur. Alors tu crois que 6 agents arriveront à le coincer? Hmm? Dis-moi. Devereau, deux. Ils sont de la police? Non. Enfin, en quelque sorte. Alors dans ce cas, qui êtes-vous? Alice, je veux savoir Alice, qu'est-ce que vous voulez. Alice, laissez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait. Écoutez, je vous crois. Mais eux croient le contraire. Alors si vous voulez sortir d'ici, ayez confiance en moi. Ok. Alice ? Attendez ! Il est descendu dans le passage souterrain. J'attendais que tu rappelles. Tu perds ton périmètre. Il y a trop de personnes qui se déplacent. Tu perds le contrôle. Tu veux pas savoir pourquoi j'étais à Moscou? Qui m'y a envoyé? Quelle était ma mission? Fais-le parler. Hé, hey, pourquoi tu viens pas me voir devant? On en parlera. Non. C'est mon scénario, c'est moi qui dicte les règles. Je t'en prie, mon gars, essaie de rendre ça plus intéressant. Peut-être bien que je commettrai une erreur. Toi, tu me dois beaucoup. Oh non, je te dois rien. Jake, donne-moi ton téléphone. Où est-ce que je suis? Hein? Allez, Mason, où est-ce que je suis? Hein? Il retransmet depuis ce téléphone. Le scanner croit que le téléphone de Jake est celui de Devereau. C'est pour ça qu'il semble si près. Combien de personnes tu as tuées, Mason? Quoi, là ou dans les 5 prochaines minutes? Est-ce que ça t'arrive d'y penser? Quand tu dégustes un café ou que tu baises? Quand tu vois une belle femme ou un enfant? Alors tu te rappelles toutes les vies que t'as enlevées? Par là. Ça t'arrête net, hein?
Non, trop d'écu, je dors comme un bébé. Tu sais, Devereaux, je te comprends pas. C'est moi que tu veux. Pourquoi tu me descends pas? Oh, c'est tentant. Ça révélerait ma position aussi. Toujours prêt à mourir pour la cause, hein, Mason? La peur est l'ennemi, tu me l'as dit. Ah bah disons que j'avais pas encore terminé ton apprentissage. C'est ça, et moi je vais te descendre, alors c'est tout comme. Non, je... Tu vas pas me descendre. Au mieux, t'es qu'un instrument imparfait. Aucune perspective, aucun savoir. Allez, parle, t'arrête pas. Tout ça est humiliant. Embarrassant. Tout comme à Moscou, hein? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, Mason? Y a personne pour te guider? Personne pour te dire d'appuyer sur la détente. Ils volent une voiture. Où est le stationnement le plus près? Il y en a un tout droit par là. Alors, pas de regrets? Pas un seul. Et tu sais quoi? Je m'en fous de tous ces gens que j'ai tués. Et si par un pur hasard, tu arrives à me tuer, je m'en fous si tu sauras. Il est ici. Quelque part, tout près. C'était un très beau discours. Tu me pousses toujours à m'améliorer. C'est de l'essence, n'y va pas! Recule, je te dis, recule! Filipova, où est-elle? D'où sortez-vous ce nom? Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? J'en sais rien. Peut-être il y a 3 ans, je m'occupais de son dossier. Une bonne amie à moi a été tuée en la recherchant. Je suis désolée. J'ai aucune idée où elle peut être. La femme qui est venue vous voir au restaurant, c'est une tueuse professionnelle, une Russe. L'homme sur la motocyclette est de la CIA. CIA? Beaucoup de gens veulent savoir ce que cette fille connaît. S'ils ne mettent pas la main sur elle, c'est vous qu'ils vont rechercher. Vous avez des fichiers sur les femmes que vous aidez? Oui. Il faut attraper ce train. Pourquoi vous le détestez autant? L'homme qui voulait nous tuer. Vous le détestez pourquoi? Je le déteste pas. Non. C'est peut-être le meilleur ami que j'ai jamais eu. Est-ce que tous vos amis tentent de vous tuer? Éventuellement. Où est-ce que je peux la trouver? Je l'ai dit, j'en sais rien. Vous devez savoir quelque chose. Ses amis, les endroits qu'elle fréquentait, personne ne disparaît comme ça. Je l'ignore, ok? Dans le milieu de travail où je suis, eh bien oui, les gens disparaissent. Un jour ils sont là et le jour suivant, non. Elle a subitement cessé de venir aux réunions. Il y en a qui disent qu'elle prenait de la drogue, qu'elle faisait la rue. Vous connaissez cet homme-là? Un pimp. Il ramène des filles qu'il prend dans le Caucase et les revend pour le sexe. Il s'appelle Lebedenko. Non. Son vrai nom, c'est Semyon Denisov. C'était lui l'homme de confiance de Fedorov durant le dernier conflit tchétchène. Vous savez où il se trouve? Ouais. Ici, à Belgrade. Où avez-vous connu Denisov? On croise des gens parfois. Forever.
rencontré les Bedinko? Non. Dites-lui seulement que Peter Devereaux est là. Une seconde. Il y a Peter Devereaux qui est là. Répète. Ouais, laisse-le. Venez. Hey, Devereaux, va, va. Aïe, aïe. T'as l'air d'une merde, tu sais. Ah ouais? Et toi, est-ce que tu t'es regardé? Eh, hey, je t'en prie. Mais j'arrive pas à y croire, Peter. Alors, pourquoi t'es ici, Peter? Je veux une information. Un homme est ici à Belgrade dans l'intention de te tuer, et ce n'est même pas moi. Je peux dire c'est qui, mais... je veux une information en retour. Ok. Alors, dis-moi. J'ajoute ça aux autres têtes, Peter, en souvenir de la bonne vieille époque. Excusez-moi. Arkady Fedorov. Il est en train de tuer toute personne qui était proche de lui pendant votre bon vieux temps. Et mon information, c'est que... il va tenter de te tuer. Moi? Ouais. Alors c'est quoi l'idée? Pourquoi il veut avoir une fiche vierge aujourd'hui? Pourquoi? Tu sais quoi? Tourne les talons et oublie tout ça. La Tchétchénie, c'est un sale, triste et affreux petit pays de merde. Mais il y a du pétrole, tu vois, il y en a tout plein. Ces salauds de terroristes tchétchènes refusaient de nous le donner. Donc, un jour, un édifice explose. Les bons soldats russes qui avaient leur papa et leur maman à la maison ont été renvoyés en morceaux. Et tout à coup, Fedorov a eu sa vilaine petite guerre. Et mère Russie, son pétrole. Vous avez fait sauter le building. Ah, Fedorov était brillant. Il savait qu'il ne pouvait pas se charger d'une telle opération et que ça reste secret. On l'a fait pour vous. D'un trou du cul à l'autre, on est resté là sans rien faire. On a regardé tout le monde mourir. Voulez-vous un peu d'eau? Désolée de ce mauvais traitement. Si ça peut faire une différence, je suis contre. Vous gériez Peter Devereaux de 1998 jusqu'à ce qu'il décide de prendre sa retraite en 2008. Le 17 avril de cette année, vous êtes allé à Lausanne sous le nom de Sanders. Et l'avez réactivé. Montre-moi tes seins. Qu'est-ce que vous me dites? J'imagine que c'est pour ça que Weinstein t'a envoyé ici. Certainement pas pour ton jugement. Va chier. Alors tu aimes être sur le dessus pour gravir tous les petits échelons? Je préfère les autres gars, moi. Où sont les autres gars? Cette pièce est insonorisée. Tu crois que j'ignorais ce détail? J'ai approuvé l'utilisation et le design de cette installation. J'ai aussi écrit le manuel auquel tu obéis. Et je sais quand tu décideras de changer de procédure opérationnelle, stupide connasse. Vous maîtrisez la procédure? Alors dans ce cas, vous savez que je peux varier la procédure si jamais j'estime que c'est nécessaire. Basé sur la teneur de cette conversation, je suis encline à modifier la procédure. Et tu sais quoi? Je m'en fous de tous ces gens que j'ai tués. Et si par un pur hasard, tu arrives à me tuer, je m'en fous aussi, tu sauras. C'était un très beau discours. Tu me pousses toujours à m'améliorer. Elle est loin d'être exacte, cette dernière phrase, n'est-ce pas? Ne pas perdre le lien était un avantage, monsieur. Oui, le sien. Je ne sais pas s'il prend trop de place dans votre tête ou que vous êtes mécontent peut-être parce que vous n'avez pas eu de père. Je l'ignore et à vrai dire, j'en ai rien à faire. Il vous a mené en bateau. Je l'aurai. Vraiment? C'est tout le contraire à ce qu'il semble. Vu d'ici, mon garçon, on dirait que votre but est de lui faire plaisir. Quoi, vous l'admirez encore? Jadis. Eh bien... voilà ce qu'il pensait de vous.
Rapport de formation, David Mason, Peter Devereaux. Le candidat est impétueux, il tire des conclusions hâtives. L'enquête sur ses antécédents indique que le candidat n'est pas fait pour ce poste. Rejeté, Peter Devereaux. Hey. Comment t'es entré ici? Elle, tout ce qu'elle veut, c'est être chez vous. Oh bon sang, quelle ingrate! Tu vas me payer ça. Un bon jour, je vais te changer en sac à main. Ok, dans ce cas. Ok, dans ce cas? C'est quoi ça? On se croise dans les escaliers depuis 8 semaines. Qui êtes-vous, après tout? Eh bien, vous êtes un peu séduisant et aussi mystérieux, mais... Mais après un moment, on s'en lasse, vous savez. Je veux dire, j'ignore jusqu'à votre nom. David. Et moi, c'est Sarah. Nola. Voilà. Avez-vous déjà songé que peut-être Mira est mieux là où elle est? Cette fille a vu Federov et un agent de la CIA conspirer pour fomenter une guerre qui a tué des centaines de milliers de personnes. Alors, le premier qui... Quelqu'un la retrouvera. Venez. C'est d'être comme vous. Prendre ce que vous voulez, faire ce qui vous chante. Qu'est-ce qui se passera s'ils reviennent? On part. Et voilà. Excellent. Sec. Qu'est-ce qui s'est passé à Moscou? Quelque chose de regrettable. Comment il s'appelait? Natalia. Et vous croyez qu'en le tuant, ça pourra aller mieux? Ah, c'est un début.
Vous m'avez sauvé. Pourquoi? N'ayez pas trop confiance en moi, Alice. Je vous assure que vous serez bien déçus. Satie. Mal, tout bien mal. Qu'est-ce que vous avez dit? Mal, tout bien mal. C'est ma préférée en russe. Vous parlez russe? Oui. Mes parents étaient professeurs à l'université. Ils m'ont appris. Trouvez des vêtements qui devraient vous faire. Et s'il retrouve Mira avant vous? Vous ne serez plus utile. Vos problèmes seront terminés. Ils vont la tuer, n'est-ce pas? Oui. Et si personne ne la retrouvait? On ne peut se cacher toute une vie. Je ne peux pas vous emmener avec moi là où je vais. Je ne peux plus vous protéger désormais. Alors, allez là où personne ne vous trouvera. Même pas moi. Utilisez du comptant, toujours. Et puis attendez mon appel.
Ça. Sarah? Est-ce que je t'ai réveillé? Où es-tu allé? Sarah? David. Je suis là. Tout va bien. Tout va très bien aller. Il te fera pas de mal, ok? Relâche-la. Relâche-la. Et toi? Quoi? Les balles ricochent un peu partout? Dis-lui qu'il doit écouter. Dis-le lui. Il faut que tu écoutes. Vous savez ce qu'il fait, hein? Il est en train de décider de votre valeur. Il va pas te toucher, ok? Il hésite encore. Alors demandez-lui. Demandez-lui si vous valez la peine d'être sauvé. Est-ce que je vaux la peine d'être sauvé? Il ne répond pas à votre question! Vous devez l'obliger à répondre à votre question! Est-ce que je vaux la peine d'être sauvé? Oui! Oui. Tu peux m'apprendre. Tu te souviens pas de m'avoir laissé tomber? Tu voulais quoi? Je voulais être meilleur que toi. Explique-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être meilleur que moi? Être meilleur à quelque chose ou bien... être un meilleur homme? Pourquoi t'as rejeté ma demande? Oh, et on y arrive. Oui, j'ai tiré. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Il n'y avait pas d'autre choix. Il y a toujours un choix. Réponds à cette foutue question. T'as pris la mauvaise décision. Je suis venu ici ce soir pour te tuer. J'ignorais ce qu'il représentait pour toi. Oh, t'as cru que c'était à propos de Natalia? Non, c'est à propos de toi. Tu peux être un humain ou un tueur d'humains, mais jamais les deux à la fois. Tôt ou tard, une de ces deux personnes va anéantir l'autre personne. Maintenant, tout ce que t'as à faire, c'est de me montrer qu'il n'est pas trop tard pour toi. Allez! Seconde chance, Mason. Scénario! Non! Ta cible vient de trancher l'artère fémorale d'une jeune femme. Non! Vient de trancher l'artère fémorale d'une femme avec qui tu as eu des rapports sexuels. Alors, toi, qu'est-ce que non tu fais? Non! Mets ta pression dessus et appuie. C'est ça. Appuie. Appuie. Et vous, Célia, vous voulez savoir ce que j'ai fait? Je sais ce que vous avez fait, monsieur Hanley. On discute du pourquoi. Non, vous ne savez pas ce que j'ai fait ou ce que je fais, d'accord? Alors comment pourriez-vous possiblement comprendre le pourquoi? On recommence dans ce cas. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on fait ici, à l'agence? On collecte des informations. Non,
L'information ne sert à rien. Elle change durant la nuit, et le savoir n'étant rien le pouvoir. Les personnes sont le vrai pouvoir. Nous collectons des personnes. Et si quelqu'un écoute à l'anglais, qui a un minimum d'intelligence, il sait très bien de quoi je parle. Moi, je parle d'avoir une emprise sur Arkady Fedorov. Alors vous écoutez ? Arkady Fedorov ! Monsieur, bienvenue à l'hôtel impérial. Alice, pourquoi vous êtes ici? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé au restaurant? J'ai décidé de vous dire tout ce que je sais à propos d'Arkady Fedorov. Venez. Vous savez qu'il est en ville en ce moment même pour une conférence européenne sur l'énergie. Il est descendu à l'hôtel impérial. Non, j'en savais rien. Je suis surpris de vous voir. Vous voulez quelque chose à boire? Un café ou autre chose? Non, ça ira. C'est mon mur de la honte. Des centaines de filles ont émergé de ce conflit. On est une petite organisation. Une minute, je vais chercher mon dictaphone. Il y en avait une, Mira. Elle faisait semblant d'être muette. Fedorov la trouvait de son goût. C'est pourquoi il l'a gardée près de lui. Comme un animal domestique. Mason, David, code d'accès 39042. Laisse cette pauvre fille. Ferme ! Natalia ne s'attendait pas à me voir à Moscou. Elle n'avait aucune idée que j'allais y venir. Qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, depuis quelques mois, elle agissait de façon irrégulière. Les analystes croyaient que... Mensonge ! Ça arrive ! Alors ils ont décidé de s'en débarrasser !
Ça aurait été un tour de force de l'avertir sans qu'il le sache. Et si elle était passée de notre côté, dans ce cas-là, il l'aurait exécutée. Sa seule chance, c'était que je t'envoie. Pourquoi? Hein? Pourquoi? L'agence soupçonnait depuis des années que Federov avait déclenché cette guerre en faisant tomber un édifice sur ses hommes. Il avait ensuite blâmé les nationalistes tchétchènes. Ensuite, Natalia m'a contacté. Elle a dit qu'elle connaissait un témoin oculaire qui jurait que Federov était impliqué. C'est nous qui avons fait ça! C'est nous qui avons fait ça! À qui diable as-tu parlé? À des personnes à qui tu aurais dû parler aussi! Qui était de notre côté? Et je t'avertis, aucun mensonge! Le même homme qui a intercepté l'appel à l'aide que Natalia m'a envoyé, le même homme qui a ordonné son extraction, et le même homme qui a commandé l'exécution. Entrez. Devereaux a une fille. Elle s'appelle Lucy. Ses photos remontent à 5 ans. Elle aurait 12 ans aujourd'hui. Sa mère était Natalia Yulenov. Et c'est Devereaux qui l'élève. Quand Devereaux était à Berlin, il a recruté Natalia et l'a convaincue d'espionner pour nous. Et tout ce temps-là, il avait une famille, il nous l'avait cachée. Mira peut détruire Weinstein. C'est pour ça qu'il a dit à Manson de tuer Natalia et c'est pour ça qu'il voulait avoir Mira. Elle n'était pas une paysanne ou muette. Ses deux parents étaient professeurs à l'université. Alors elle parle anglais et russe. Elle comprenait tout ce que Federov disait. Je suis venu voir les Belenko. Donne-lui ton sac. Lève les bras. Pourquoi es-tu ici? Peter Devereaux a besoin d'une faveur. Non, on a perdu sa trace. Qu'est-ce qu'on a? Cette femme, Alice Fournier, décédée en avril 2005. Cancer. Alors c'est qui? Elle était au restaurant avec Devereaux. J'essaie la concordance biométrique. Bienvenue à l'hôtel impérial. Visite à Arkady Federov. C'est de la folie. J'ai pris la décision de le confronter maintenant. C'est du suicide. Il va vous tuer. Ne faites pas cette bêtise. Mira. Mira. Qui êtes-vous? Un présent de la part de Semyon Denisov. Et ça, c'est pourquoi? Ok. C'est en haut. Retourne-toi. Denisov est très généreux.
Dans le lit, ma gelée. Je vais me rafraîchir avant. J'ai une concordance audio. L'emballage a été changé. Son interrogatoire à la frontière. Je m'appelle Mira Filipova. Mes parents ont été assassinés par le général russe, Arkady Fedorov. J'ai survécu. Arkady Fedorov est à Belgrade en ce moment pour une conférence sur l'énergie. Cherchez où il est descendu. Oh non, vous n'allez pas me tuer. Vous faites erreur. Non. Si c'était le cas, je serais mort déjà. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, n'est-ce pas? Ça, c'est pour ma famille. Oh mon Dieu. Mira. Tellement de personnes qui veulent ma mort. Et tout à coup, te voilà. La petite fille en colère. Qui ignorait comment baiser. Et là, on part. Ok, ok. Peut-être que tu vas me tuer. On verra. Mais faire de toi une vraie femme, c'est l'un des plus doux souvenirs dont je me rappelle et que je chéris toujours. As-tu oublié qui je suis, dis-moi, hein?
Je veux qu'il meure. Il mourra. Mais une fois qu'il aura dit au monde ce qu'il a fait, où est votre téléphone? Allez le chercher. Tout de suite, j'ai dit. Et filmez-le. En 99, vous avez soutenu une opération américaine qui se faisait passer pour des terroristes tchétchènes. Qui était l'agent américain qui la conduisait? Vous êtes sur ma chemise. Mira, prenez ça. Tirez sur lui s'il le faut. Vous n'allez pas me tuer, je pense. C'est à vous de décider. On va jouer à un jeu maintenant. Je pense qu'il a été inventé dans votre pays. Je vous le demande encore une fois. Qui était l'agent américain? C'était Weinstein. Qui était l'agent américain? C'était Weinstein? Hanley. John. Hanley. Hanley? C'est ça. C'était ce gars-là? Le gars au milieu? Non. Peter, c'est lui, celui qui a pas de cheveux. Alors. Allez à l'hôtel Hyatt. Si je n'arrive pas, alors courez à l'ambassade hollandaise et dites-leur qui vous êtes et puis racontez-leur tout. Demandez l'asile. Partez. Ok. Où il est allé? Je l'ignore. Tu vas de ce côté. Thank you.
Tu regarderas ça. Seigneur. Regarde ça en priorité. Qui était l'agent américain? C'était Weinstein? Honey. John. Ça, c'est perturbant. Honey. On va donner ça à Weinstein sur le champ. Toi, reste là. Les saints, retourne à ton bureau. Assieds-toi. Qui s'assoit ici? Ton patron s'assoit ici. C'est moi qui suis assis. Alors assieds-toi. Peter? Seigneur, vous êtes vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez disparaître. Je vous aiderai. Vous pouvez choisir une ville. N'importe où. Allez, choisissez. J'ai plein de contacts. Des gens qui peuvent vous faire une nouvelle vie. Des personnes qui peuvent s'assurer que jamais on ne vous trouvera. J'ai fini de m'enfuir. S'enfuir, c'est mieux que mourir. Merci, Peter, de m'avoir sauvé la vie. Vous laisser mourir n'a jamais été une option. Allez, on doit partir. Bien des choses ont changé en très peu de temps. Qu'est-ce que vous faisiez il y a une semaine? Je vivais ma vie. La vie de Peter Devereaux, qu'est-ce que c'est? Des choses bien simples. Une maison à Lausanne. Un petit commerce. C'est un café près d'un lac. Et une fille. Qui n'a jamais connu sa mère et c'est à peine si elle connaît son père. Comment elle s'appelle? Lucy. Elle a 12 ans. Mais où elle est? Elle attend que son père aille la chercher au pensionnat. Jamais j'ai pensé que tu étais du type paternel. Que cette adorable jeune fille soit issue de ton ADN défie toute logique. Ah oui, je crois que tu devrais parler. Je vais te tuer. Si tu la touches, je vais te tuer. Ce qu'il y a d'amusant, Peter, c'est que l'ascendant sur Federoff a plus de valeur pour l'anglais que les scrupules que Weinstein entretenait envers mes méthodes. Maintenant, c'est moi qui mène le bal. Weinstein est de retour aux États-Unis. Il semblait très surpris quand il... Ils l'ont envoyé à la maison, mais... Mais pas aussi surpris que... Sûrement, tu l'es à l'heure actuelle. Comme mince consolation, je dois te dire que c'est Mason qui m'a amené, Lucy. Je me suis dit que tu en serais fier. Il travaille bien, non? C'est ton talon d'Achille, je pense. Je croyais que t'en avais pas. Il a bien travaillé. Ok, à la forteresse. 8h AM, là où on joue aux échecs. Tu m'amènes Mira, je te redonne ta fille. Tu
tu es une arme, Mason. Une arme bien dangereuse. Et moi, j'apprécie. On doit partir d'ici tout de suite. Vous irez à la gare. Prenez 3 tickets du train de midi vers Unic. La frontière là est faible. Ce n'est pas vous qui le veut, c'est moi. On se verra là. Écoutez, ce n'est pas vous qui le veut, c'est moi. Nous serons là. Et sinon? Sinon, je crois que je n'aurais pas gagné. Ils nous tueront tous. Comment ça va se passer? On ne sent rien du tout. Comment vous pouvez en être sûr? Une balle voyage à plus de 4000 pieds secondes. 4 fois plus vite que la vitesse du son. L'effet à cette vélocité est absolu. C'est très simple. On cesse d'exister. Je vous en prie. Soyez là. Trois cartes de Unic. Attention, je vous prie, le train pour Chamchok sera retardé d'une heure. Il n'y aura pas de blessés, c'est ce que tu veux croire. Disons personne qui t'importe, hein? Tu t'es bien débrouillé, je trouve. Ah oui? Tu sais ce que Federov va faire quand il sera élu à la présidence? Changer le monde. La Russie va faire son entrée à l'OTAN. Pourquoi? Parce que c'est une marionnette et que j'ai la main dans son cul et c'est moi qui le fais parler. Je le possède bien. Voilà pourquoi on a travaillé si fort durant toutes ces années. Et tu sais que c'est le cas. Du criminel de guerre Arkady Federov par Mira Filipova et Edgar Simpson. Ouais, j'ai quelque chose pour toi, juste là, ouais. C'est ça, elle est à la gare. Elle vient d'acheter 3 tickets pour Unic avec sa carte de crédit. Elle est sûrement là. Ce sera tout. Tu crois pas que peut-être... cette fois, t'es allé un peu trop loin? Il y a de sa belle lurette, mon vieux. Il te faut la preuve qu'elle est vivante, bien sûr. Allô? Ton père. Papa, est-ce que c'est toi? Comment tu vas, ma chérie? Je sais que tu as peur. Mais tout ira très bien, c'est promis. Je voulais seulement entendre le son de ta voix. Écoute-moi. Je t'aime plus que tout au monde, ma chérie. Je t'aime aussi, papa. Je m'excuse de ne pas avoir été présent quand t'avais besoin de moi. Et je... Ok. Oui, Mira Filipova. La gare routière. Le bus pour Novi Sad, celui de 9h. La gare routière, le bus pour Novi Sad à 9h. Amène-la. Jones, tu vas avec lui. Tu as mal jugé le jeune. C'est un survivant, ce gars. Pas comme toi. Non.
Ramène Mira ici et je te donne ma parole. Je te rends tout de suite ta fille. Tu sais comment on te surnommait, Peter ? L'agent Novembre. Parce qu'après ton passage, rien ne pouvait survivre. Tu es sans pitié, cher ami. C'est par là-bas. Raccourci. Ralentis. Qu'est-ce que tu fais? Ralentis. Ceinture. Arrête le véhicule. Qu'est-ce que t'attends? Mur. Mason, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Ces meurtres, avec l'assassinat du fils de 14 ans des Filipova, ont été... Alors qu'elle avait 15 ans, Filipova a vécu cachée. Aucun Américain n'est mort durant ce conflit tchétchène de merde. Pas un. Non, c'est vrai. L'Est contre l'Ouest, foutaise tout ça. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est le monde civilisé contre le foutu Moyen-Orient. Ça, c'est une bataille que je peux comprendre. Ça, c'est une bataille qu'on peut gagner. Tu as saisi ? Hanley. Quoi ? Pourquoi tu transpires ? C'est cette foutue chaleur. Oh.
Mais j'utilise encore l'ordinateur. Je vous en prie. C'est gentil. Elle a été victime d'un nombre incalculable d'agressions sexuelles par... Oui, Lucy, vous deviez la ramener quand tout serait réglé. C'est réglé. Tu viens de nous condamner à une autre décennie de conflits de merde. J'espère que tu le sais. En réalité, j'adore ça comme ça. Merci. Papa ! Arkady Fedorov et le meurtre d'Edgar Simpson. Je m'appelle Mira Filipova. J'avais 15 ans lorsque Arkady Fedorov a tué toute ma famille. Et il m'a gardée en captivité 2 ans. Et à maintes reprises, il m'a abusée, sexuellement. Durant cette période, j'ai été témoin du complot entre Fedorov et l'agent John Henley. Ils ont décidé de bombarder un édifice non militaire. Ce bombardement était à l'origine de la Seconde Guerre tchétchène. Les révélations de la réfugiée tchétchène Mira Filipova ont ébranlé le monde politique en mettant en évidence la conspiration entre Arkady Fedorov et un haut fonctionnaire de la CIA. En effet, la validation de la candidature à la présidence de la Russie d'Arkady Fedorov a aussitôt été prononcée. Le bureau du ministère de l'énergie de la Russie a tout de suite publié un démenti quant aux accusations, alors qu'Arkady Fedorov bénéficie d'un congé de longue durée. Quant à ce dernier, il évalue ses options politiques. Silence.